Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent pas comme pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tuffy Tuff et je vous propose une émission qui s'appelle Juste une vie, et aujourd'hui donc on fait l'épisode 10 sur Trine. Voilà, la malédiction des épisodes 9 est enlevée. Peut-être que c'est les artefacts de ce jeu qui ont contribué à lever cette petite malédiction qui planait au-dessus de ma tête, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi. Mais bon, allez, c'est comme ça, on va se lancer. Et donc on va faire la suite du jeu. Cela n'est plus de mon âge. J'aimerais bien me reposer. Je suis trop vieux pour ces conneries. On n'est jamais trop vieux. Alors, il y a donc un ascenseur que nous allons utiliser. Voilà, j'étais pas sûr d'où ça descendait, donc j'ai préféré sauter avant. Ok, bah si vous commencez à vouloir me frapper des deux côtés aussi, ça va pas le faire, hein, les gars. Et si vous arrivez pas à juste venir me voir, ça va pas le faire non plus, hein. N'arrive pas à sauter. Mais qui sont cons. Ok, lui, il a eu un coup de speed, dans le mauvais sens, mais un bon coup de speed. Ah, petit archer, voilà. Attends. Hop. On attendait, on va sur cela tranquillement vers là, vers là. Allez, prochain. Putain, la musique a l'air assez sympa de ce niveau. Allez, ok, l'archer, voilà. C'est Monsieur Speed, il est revenu, il a retrouvé le bon chemin. Remonte encore une fois. Allez, viens, toi t'y arrives. Allez, encore. Voilà, merci. Alors, est-ce que juste une caisse sur... ça serait bon. Apparemment, non. Donc il y a autre chose. Certainement le petit bout de mur que j'ai pété par là. Alors toi t'arriverais... Ouais, je disais, si toi t'arrives à me toucher alors que moi je peux pas... Ça serait réellement pas sympa de ta part. Alors, donc c'est du bois, je peux la prendre à elle et descendre doucement pour voir s'il y a quelque chose. Je dirais qu'il n'y a rien. Il faut qu'on remonte par là. S'il te plaît, remonte juste un tout petit peu. Merci. Ah, mais j'avais pas vu là-haut. Alors, certainement, petit cube. Alors, de moins haut, hein. On va le faire ici. Si j'arrive. Voilà, petit cube, je le pose. Voilà. Et là, on va, je sais pas, planche. Et bah planche. Je n'avais pas vu ce petit interrupteur au-dessus de la porte. Oh, il y a des pièges. Oh, il y a des pièges, mais j'ai une voleuse qui peut s'accrocher partout avec son grappin. Bon, c'est du bois, donc... on va en profiter. Voilà. Ouh, par contre ça fait mal. Cours, cours, cours Indy. Voilà, magnifique. Il y en a combien? C'est bon, c'est fini. Vous les premiers épons en série, si. Bon, là, il y a du... Il y a du squelette, mais ça devrait faire. Alors, il y a juste un archer, voilà, derrière, qu'il faut penser à se protéger. J'allais dire, je ne sais pas où il est. Maintenant, je sais. Je sais qu'il est mort. Voilà, il a rejoint les enfers qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et son frangin va le rejoindre. Ok. Ceci étant fait, que faisons-nous? 1, 1, 1, ça sert à rien. Il manque plus que des 3... Des 3 à avoir. Est-ce que par contre... Voilà. Tu pourrais... je voulais que tu restes un peu baissé, en fait. Bon, ça, j'ai complètement fait bugger le truc. Mais bon, hop, allez. Voleuse, on saute, on passe. Allez, c'est parti. Je vais prendre lui au cas où. Ouh la vache. C'était rigolo ce petit moment. Ok.
vu qu'il y avait un trésor là-bas, mais je vais avancer. Quoique, allez, je peux aller le chercher, j'en ai marre. Je peux quand même aller le chercher. Pas pour le détour que ça me fait faire, quoi. Ah, des rouages, tiens. Mes potes sont de retour. Fais chier. Je les aime pas. Allez, bloqué. Ne faites pas les cons. Oh la vache! Ça, ça fait mal. Ça, ça fait un petit peu mal. Où était le... Il n'y en avait pas. Ok, là, ça peut être intéressant. Là, je peux me dire que je vais enfin pouvoir en chier, si ça se trouve. De la manière... Non! Et là, il me reste plus que lui. Alors, ce que je vais faire... Oh, putain! Ah, j'aurais juste passé les 9 épisodes et la 10e, je vais crever. C'est pas possible autrement. Plus juste. Alors, tout ça là, mais j'ai pas envie que tu fasses tout tomber. Voilà, j'aimerais juste pouvoir apercevoir en fait ces petits squelettes. Ouh, ça c'est pas bon. Voilà. Juste histoire de pouvoir les pousser. Hop, ouf. Et j'ai eu chaud là. Là j'ai eu des testicules qu'on rétrécit. Alors, moi je dis elle. Hein. Ouais, j'ai bien fait de dire elle. Par contre, si tu pouvais réussir à te mettre là-dessus, voilà, ça m'arrangerait. Est-ce que c'est juste le magicien qui doit déplacer, tracer un triangle? Pourquoi tu veux que je trace un triangle? Je sais pas ce qui se passe. Attends, voilà. Alors, il faut que je trace un triangle. On va voir ça. Mais j'aimerais juste en fait pouvoir bloquer le... Comme ça? Non, c'est un triangle. Tracer un triangle. Comment tu veux que je fasse un triangle? Oh, et ça voltige. Ça reste en l'air, ça. Putain, c'est génial. Par contre, ça, c'est pas bon. Mais ça, c'est cool. Je peux en faire qu'un. Ouais, je peux en faire qu'un seul. Par contre, ouais, ça ne résiste pas au poids. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, parce qu'on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va voleuse. Et voilà. Okidoki. Alors ça, certainement toi. Ah bah c'est encore toi alors. Par contre, les cracheurs de feu, je commence vraiment à les détester. On va voir comment ils se positionnent tous. Voilà. Alors, vous, je peux vous massacrer. Voilà. Plus votre copain, il s'est pas visé. Il vous tire dessus. Il m'aide un peu. Ok. Toi tu meurs et après je me fais ton pote. Voilà, tout simplement. Sauf si je pouvais éviter de tomber dans tous les trous qu'il y a sur le plancher, ça pourrait m'arranger. C'est vraiment... Aïe. Oh, pas bon ça. Pas bon du tout. Voilà, j'étais en mode silence. J'étais en train de pleurer l'échec que... En plus, ouais, c'est que du bois ici. On peut utiliser quel, quoi. Et être un peu tranquille. Allez, je pense qu'on a un checkpoint bientôt, non? Voilà, il y en a toujours. Il y en a un tous les 2 mètres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on galère dans ce jeu? On peut, hein, on peut aussi complètement rater un saut et...
ça peut arriver, ça peut arriver, mais... Ah, c'est passé juste ça. C'est passé un poil trop juste même. Ouais, vaut mieux que je la... Je la laisse crever, hein, dans son petit recoin. Et vu que je réapparais là-dessus, ça devrait le faire. Sinon, je peux pas trop bouger. Ah si, je peux bouger ça. Voilà. Ah, pas trop, en fait. Bon. Je vais pas réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Non, c'était elle. C'était l'autre. C'est pas grave, on recommence. Alors, il y a un meilleur moyen, non. Pas l'air de... Voilà. Allez, on est bon. Ah bah si je commence à rater des sauts simples comme ça, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Ouais, j'étais en train de me dire, ça commence à puer le boss. Non, ça, c'était une fin de niveau. Quand ça commence à s'élargir comme ça, j'aime pas trop. Là où il n'y avait rien auparavant, se dressait désormais une sombre tour noire, encore plus que le ciel de la nuit. Une tour maléfique. Nos héros comprirent ce qu'ils avaient à faire. La seule façon d'éliminer la corruption de cette terre et de raser la tour noire était de réunir le Trine et les autres artefacts. Mais pour réussir une telle chose, le cœur de nos héros devait être pur. Malgré la présence constante du danger, nos héros ne pouvaient pas s'empêcher de s'émerveiller de la beauté du village. Comment quelque chose d'aussi beau pouvait se tenir à proximité de la tour maléfique? Il était abandonné et personne ne vint les accueillir. Village, nous devons sauver les habitants. Il n'y a plus personne. On dirait le village des Ewoks. Il n'y a rien à sauver. Sauver un village ou écraser des eaux, peu importe. Laissez-moi y aller d'abord. Bon, on va les laisser tous mourir là. Je pense que je vais faire comme ça. Oh, tu t'es toujours pas morte. Attends, bah... C'est bon, il va mourir. Ah merde, j'ai fait un triangle sans le vouloir. Sauf que le triangle... Ok. Je saurais que je peux faire un triangle et... Je me le mets à peu près à la moitié, ça devrait le faire, non? Ou alors je... C'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais vu que j'ai fait apparaître un peu... maladroitement un triangle, je me suis dit que ça pouvait le faire. Mais bon. Alors. Il y a juste à aller par là. Pourquoi j'ai voulu monter là-haut? Un village de hobbits. Voilà, on a réussi à faire les deux sagagis. En 2 minutes de vidéo là. L'apparence au début du village des Ewoks et juste après un village de Hobbits. Ah, c'est méchant ça. C'est très méchant de votre part. C'est très très méchant de votre part. Alors, on va... On va faire quelque chose, mais je sais pas quoi. On va... On va passer comme ça. Je vais rester par le bas. Et on va bien voir. T'achèves.
t'achèves. Toi aussi, là, ça ne sert à rien ce que tu fais. C'est... Ok. Ah ouais, si tu pouvais le faire descendre juste un poil, voilà. Parfait. Ah merde. Encore. Quoique. Bon, il est où l'autre là? Ah non, c'est juste. Alors pourquoi je vais passer par là-haut moi? J'ai pas du tout. Ah bon, triangle. Petit triangle là à peu près au milieu. Et puis ça devrait. Non, j'ai dit un triangle. Voilà. Il est pas si mal là. Ok, ça je peux pas. Alors ok. Ok, c'est bien ce que je voulais faire depuis le début. Il faut que je fasse. Non mais en fait j'ai envie de m'agripper. Voilà, j'ai envie de faire ça depuis tout à l'heure. J'ai envie de descendre la plaque là, sauter sur celle-là, passer au milieu. Voilà. Bon. Vous avez compris l'idée. Mais pourquoi tu fais... Ok. Mais là, je passe au moins. Si je saute comme ça, j'arrive à dépasser le trou. Ah oui. J'étais pas totalement confiant, hein. Ah merde. Voilà. Ok. Ok. Bien essayé. Bah tiens, si tu peux me les strike en bas pendant que tu fais ça. Ouais, cool. Alors là-bas, il y a du pic. De toute façon, ça va finir avec un triangle, cette histoire. Merde, je me retrouve en bas de là. Ça m'arrange pas du tout. Alors. Je vais placer mon petit triangle par ici, déjà, pour commencer. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait. Et j'en suis à 18h30. Et... Alors par contre c'est par là. Ah oui. Ok, des araignées. On va se les latter comme ça. Mais pas comme ça. À peu près dans le sens là. Toi... Ah non! Ah putain, fallait que je... pas que je la perde. Il me reste plus que lui. Lui pour faire un saut. Eh ben voilà. Ah putain, c'est la fin. Et puis il y avait un boss juste derrière. Et voilà. C'est la fin de mon juste une vie sur Trine à pratiquement 20 minutes. Aïe aïe aïe. Ah, fait chier. Eh ben voilà. C'est là-dessus que ça se finit cette aventure. Ah putain, fais chier. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je. Il y a peut-être un truc tout simple à faire et là je me suis obstiné à vouloir faire le saut de cette manière. Dans un, je sais pas pourquoi. J'en sais rien du tout. En plus il y avait un boss juste derrière. Ça aurait été mieux de mourir sur un boss que sur un saut. Mais voilà. Eh bah. Eh ben j'aurais mieux fait de me taire en disant que il fallait à tout prix que je
que j'allais finir le jeu dans un juste une vie et que ça serait celui-là. Ça, par contre, ça faut pas rêver. Hein. Je pense pas qu'une seule fois j'arriverai à faire ça. Ça veut dire vraiment finir un jeu, d'aller un point A au point Z sans mourir une seule fois. Une seule fois dans un niveau de difficulté quand on connaît pas le jeu. Je pense que c'est un peu impossible dans un niveau de difficulté élevé, hein, bien sûr, je voulais dire ça. Et ben voilà. Et ben voilà, Trine fini, 10 épisodes. On se retrouve donc la semaine prochaine, très certainement, pour un autre jeu. Et d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, rigolez bien, profitez de la vie au maximum. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui est important. Allez, ciao à tous. Bye bye. Mais là, un petit peu dégoûté quand même. Allez, ciao.